Merci de la visite. N'oublie pas notre rendez-vous. Hein. Ok. Si je ne m'abuse, c'est bien bientôt? Ah! Ce n'est pas possible. Désiré! Quelle bonne surprise! Que fais-tu ici? Ah mais, je te cherchais. Depuis ton départ précipité, je n'ai jamais cessé de te chercher. Tu ne changeras jamais. Depuis quand es-tu venu d'Abidjan? Je suis venu hier pour une réunion, mais je me demandais comment te retrouver. Le hasard fait bien les choses. Je suis venu rendre visite à une copine et je rentrais à la maison. Ah là, donc fais-moi un plaisir. Montre-moi chez toi. Et ta réunion? Oh, ne t'inquiète pas, elle commence demain. Si tu n'as pas peur de circuler en moto, monte. C'est mieux pour découvrir la ville. Tu sais quand même qu'avec toi, je n'ai peur de rien. Allons-y. L'effigie de l'Afrique pour signifier l'émergence d'une Afrique forte et unie. Que c'est beau! C'est le monument de la paix. Sans la paix, rien n'est possible. Avec la paix, tout est possible. À droite, c'est le mémorial du premier président du Mali, Modibo Keïta. Il a beaucoup fait pour l'unité de l'Afrique. Comme le président au Faute-Boyen de la Côte d'Ivoire. Tu n'oublies jamais le vieux. Mais dis-moi, en Afrique, qui peut oublier le vieux au Faute? On est arrivé. Mère. Oui. J'ai une surprise pour toi. Bonjour, maman. Bonjour. Désiré, mon fils. Oui. Comment vas-tu? Je vais bien. Ça va, Abidjan? Oui, ça va. Tes parents? Ils vont bien. Assieds-toi. Depuis quand tu es à Bamako? Depuis hier. Hier seulement? Oui. Je suis venu pour une réunion. Ah, oui. Ah, fantastique. Oui. Je suis contente de te revoir. Merci. Je pensais que tu nous avais oublié. Tu sais que... Depuis votre départ précipité d'Abidjan, je n'ai jamais cessé de penser à vous. Mon fils, ces événements ont été douloureux pour beaucoup de personnes. Vous savez, maman, après la pluie, c'est le beau temps. Maintenant, la paix est revenue en Côte d'Ivoire. La paix revenue en Côte d'Ivoire? Mais qui t'a dit que la paix est revenue en Côte d'Ivoire? Qui père, te l'a dit? Père, tu n'écoutes pas la presse. Le processus est en marche et il est irréversible. Bonjour, papa. Je ne suis pas le père d'un Ivoirien. Et je n'oublierai jamais ce qu'ils m'ont fait. Que ça soit clair pour tout le monde. Mais à Abidjan, tu approuvais mes relations avec Désiré? C'est du passé. Dis à ton Désiré qu'il n'est plus Désiré chez moi. Je ne veux plus voir un Ivoirien chez moi. Et que ça soit clair pour lui. Traoré, Ifenessa, comment peux-tu changer à ce point? Et tout le bien que tu disais des Ivoiriens lorsque nous étions à Abidjan. Mais père, c'est Désiré que j'aime. Tu m'as promis que je suis libre de choisir mon mari. Alors choisis bien. Ne choisis pas du tout un Ivoirien. Ivoirien, Malien, Burkinabé, nous sommes tous les mêmes. Traoré, c'est pas à cause de ces événements passagers que nous allons nous rejeter. Hawa. Hawa. Tu es mon épouse. Tu as vu comment nous avons quitté Abidjan précipitamment comme des malfrats. Ah, maintenant, cela appartient au passé. Rappelle-toi un peu, Traoré. En 1985, si mes parents burkinabés avaient refusé notre mariage parce que le Mali et le Burkina étaient en guerre, toi et moi là, allons-nous mettre au monde bientôt? Père, crois-moi, les événements passent, mais les peuples restent. Père, tous les Ivoiriens et les amis de la Côte d'Ivoire œuvrent pour l'instauration d'une paix définitive et durable. Ah, d'accord. Mais m'as-tu amené du bon à checker d'Abidjan? Oui.